Étienne Symphorien Calalam Balandaï. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Bandeko Nabiso, Mbote Nabino Nyonso, Makambo Ezaebele, Basango Ezaebele, Basango Yamboka, Batitre Ezaebele, Doko Pola, Batitre Ezali, moi important. Rebonjour ou rebonsoir, chers compatriotes. Voilà, nous allons juste parler ou vous présenter une vidéo sur le report de la liste des ministrables qui n'a pas été acceptée. Il y a deux visions. Donc, nous allons également là-dessus, vous faire la lecture de ce qui a été décidé aujourd'hui, c'est samedi, par le président de la République. C'est que, en fait, il a accepté la liste, mais seulement il y a un tout petit couac. Trois provinces ne sont pas représentées. Les personnes vivant avec handicap ne sont pas représentés. C'est que dire, c'est-à-dire que tout le reste est bon. C'est-à-dire que le problème qui est posé concernant l'AFDC est allié, version Barretti-Lukwebo, ce problème-là est résolu. Parce que ça fait partie, d'après plusieurs informations, plusieurs sources. Le président de la République accepte Barretti-Lukwebo, qui fait partie de la majorité, qui est dans la légalité. Il faut qu'il soit là. On n'en parle pas aujourd'hui, samedi. Donc, ce problème-là est résolu. Voilà. Nous passons d'abord à un point de vue d'un certain Tchassouma de l'UDPS, de la jeunesse de l'UDPS, qui donne sa version sur le rejet ou le report de la mouture présentée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Je suis président René Tchassouma, le président de la GISAF, AGISAF qui veut dire Association des jeunes de l'UDPS pour le soutien aux actions de Fatih. Nazali Moroya collectif parlementaire debout et membre de coordination de Ligue des jeunes. Lobby Batunio Sobafandagi devant RTN, c'est 10 minuits. Bamzouzou Balali va veiller. Nicolas, c'est le gouvernement. Basile Omon Angote, qu'est-ce qui se passe au juste? C'est ce qui est au gros Simbanine. Ndego journaliste, merci pour mon point à Moutouna Nayo. N'a quoi répondre au Boye. Lelo ezali preuve en face du monde. Pour la bateau, Bazaï Kokanisake, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azaki marionnette à Moutou, Azaki Moutoumoko Bobazo Tindika de gauche à droite, va comprendre que chef de l'État Azali, Yemo comme tu as dit qu'on a décision à Congo, et lui, il est l'unique chef de l'État à Congo, Bazami Balete. Batoazaki na RTNC causé la publication et le gouvernement. Mais si ça ne dépendait que de Kabila na Batounaye, le gouvernement c'est Bimikala. Ce gouvernement est Bimité, ça prouve en face du monde que c'est le chef de l'État qui décide seul. Aboyaki, première proposition, ma proposa ki bango, à lobby, on ne peut pas travailler dans la République comme si tu avais une jungle. On est poursuivi par la justice. Aux alli ministres de temps en temps au Lungwakate, chaque gouvernement, yo zali ka ministre à l'obino. Cette fois-ci pour aux alli ministres critères isal. Ba critère, ba pesa kata mokomi ba Félix appelle ça bango 10 critères. Soit échapper na mi ba ya mi sa to ko échapper té. Soit échapper na mi sa ya mi no ko se o relekaté. Voilà ce qui a choqué beaucoup de gens, ba proposer ba combo o ezaki incompatible na ba critère gouvernement wana l'équité. Alors lobby
C'est sur la demande, il y a le Premier ministre Ilunga, Moutoua Senga qui va passer 3 jours pour Azong Salis Yamibale. Mais tant que Kota Kendaki, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais avec la mauvaise foi, il y a FCC, tout le monde qui va proposer, va comme il suit à Mabé, il y a un chef de l'État lobby, nous devons d'abord harmoniser avec la coalition d'Abisso avant de proposer une deuxième mouture ou deuxième proposition. Voilà pourquoi je suis basé là qui gouvernement lobby et puis m'a quitté parce que chef de l'État, Azan a besoin de gouvernement Biba, Moké Tambou, la Benvisser Baya. Mais Bango n'a quoi Bango? Bazan a besoin de Kakabatouma, comment Kouana, Nakota Ngoloba Kombo, Balingite Batmoussou Bakota, na gouvernement. Donc, na FCC wana mubimba, Batoubatanga Zakaka Minaku, Nani Boshab, Bitakwira, Nani Kalev, mais Batounion Souan FCC, ils ont composé na plus de 300 partis politiques. Batounion Souan Abako, ça a été gouvernement 65 membres. Bonjour, Saka Bilongimo, comment Kouana? Chef de l'État, Boyka Kakomboté, mais a Boyupe expérience Sambangou Yamabe. Ce qui crée à l'expérience paye Yamabe Zali. Ceux qui ont une expérience, quand Yamoui, ils ont une expérience. Alors, les gens qui ont une expérience, nous n'avons pas besoin seulement d'expérience, mais la volonté de servir le peuple congolais. Voilà pourquoi le chef de l'État a pèsé Bango Pena K.O. Yango topé ce combo béton. Donc, Bango tout bakayasa. Donc, la minute au soye, yaza béton. Si l'eau rouge n'a pas beaucoup, tu as mal travaillé, tu n'as pas droit à rayer comme on a eu. Ceux qui ont forcé Nandeng Yamabe au côté prison, à chef de l'État. Président Soyi Ogoyi Goyo Sabiso, mais biso de Ogi Keno, président a Beti Sete, Fatia Beti Sete à l'obige, Soyi Baati Azate, gouvernement et Obimate. Mais la Kimute en Malamouna et Ogi a proposé la place Momo na compte à cash pour Baati Azo, mais FCC et Boyi Obi, le fait que Baati a décevoir Bango, à la Tsaki acte, il y a une discipline, il y a un Wala donc Baati a gros zélote, il y a un Lobani na Makamboa. Baati Azaki a discipliné Tepana Bango. Baati a salé la démocratie. Et là, quand Baati a salé les lois, ceux qui a salé qui n'a moment où tu sais que Jazek n'a pouvoir, tu vas l'inga bakangaye. Mais il a eu la vie sauve à cause de Félix Tshisekedi d'Antoine n'a pouvoir. Démocratie est comme palpable na Congo. Na coalition, wana, ils avaient eu la majorité parlementaire pendant que Abdes Azek n'a nakati, n'a balié naï. Au moment où nous parlons, Abdes Azek n'a nakati. Cette majorité a perdu un poids. Mais le quoi va perdre moi poids wana? Félix Atali, Atali, côté Nabango, Babimi si ba dissident, comme Batoba qui a engagé FDCA. Or, sur le plan juridique, il y a un document à mon côté. Moutoye Bani Ezali Baati Nabali Naï. A mon que ce bien, Bango Bapé ses ministères. Bango Bazo Boya Kopé ses ministères, Babengue Rebelle. Parce qu'à tous les mots d'ordre, il y a Kinga Katite. Mais il y a dans son pouvoir, il y a chef de l'État, garant de la nation, qui est capable d'imposer Bango Bapé ses ministères. Ceux qui peuvent occuper ses ministères, à qui peut imposer Bango Tiboye, ton comité de décembre, ceux qui peuvent changer majorité, ton pensé pendant le Parlement, ton zong si makambo à zéro, ton nommé formateur et Sika, ton zui pendant le Parlement, ton zui Sénat, ton zui primature. 37 ans d'abus au pouvoir, tout ça, polele. Donc nous n'avons pas le temps à perdre. Ceux qui ont tenté à couper ça y est, pouvoir, nous qui l'étaient ministère, nous avons mis. Mais chef de l'État, à cause de freinage, c'était pour tout un gouvernement. Le souci à chef de chef de l'État, c'est que le gouvernement est bien, ma cambo est en bola, banabatan au félé, qui déjà au salaire programme naïe, bon monaki ango, on dirait solga moko boye, les lots forum et bandaki lobby, et tangi les lots, bayokani balobi. Enseignement primaire et zali gratuit. Ah, bah lobby gratuit, bah épargner batouté. Bana mouzit, bah kotang ofele. Bana fayoul ofele. Bana mbemba ofele. Bana catholique ofele. Po ba sangwana ba zapena bana. Babomba bango. Bah kotanga ofele. Sana bango na anarchie na bango. Bah yen angoti na makamouya Félix. Félix a lobby chez moi, c'est la démocratie ou rien. A lobby, nenen koulou. A zali na droit mokote ya. Pour engager FDCA. Voilà pourquoi il faut un ministère. Mais ce n'est pas l'ordre du jour. Ce qui est le Belango, c'est en coulisses. La coalition. Il faut couper ce ministère. Il est rebelle parce qu'il y a tout ce monde d'ordre. Mais il y a dans son pouvoir, il y a chef de l'État, garant de la nation,
aza capable d'imposer bango ba pèse ministère. Soki pe baboy ko pèse ministère, akoki ko imposer bango ti boye to comité décembre. Soki pe baboy to changer majorité, to pensi pena parlement, to zong si makamba zéro, to nomé formateur et sika, to zui pena parlement, to zui sénat, to zui primature. 37 ans d'abus au pouvoir, tout cela, on peut le. Donc, nous n'avons pas le temps à perdre. Ceux qui ont tenté à couper, ça y est, pouvoir, nous avons un ministère, nous avons mis balé. Mais chef de l'État, à cause de la freinage, c'était pour tout un gouvernement. Le souci à chef de, des chefs de l'État, c'est que le gouvernement Bima, ma cambo tambola, banabata ngofele, n'a pas qui déjà ça le programme, naye, bon, on dirait Solga Mokoboye, les lots forums et bandaki lobby, et tangi les lots, bayokani balobi. Enseignement primaire et zali gratuit. Et na Congo, Tomesana déjà mouyibi, l'icolo ya batwa. Zé kokambabiso, bango moko mouyibi. Batangi si ba Congolais mouyibi. Tellement ba yibi trop, koyiba na Congo est comme on dirait mode de vie. Chef de l'État, l'obi son abandiko kanga batuna kanga moka mobima. Alors il faut changer notre mentalité. Voilà pourquoi le parlementaire debout, dont je fais partie des collectifs, il y a le président parlementaire debout, tout ça, la formation, changement de mentalité. Parce que le chef de l'État Yemoko a nommé coordination des changements de mentalité pour que tu sauves l'honneur des Congolais. Et là, il y a des gens qui ont fait l'économie à genoux. Moyibi ezali ko bébé c'est la biso makambo ebele. Moyibi ezali ko zone économie na biso sima. Voilà pourquoi les antivaleurs, lutte contre la corruption, ezali chemin de bataille à chef de l'État et biso pe na niveau ya collectif de parlementaires debout, nous avons fait ça. C'est FOPAD, séminaire de formation de parlementaires debout. Alors mututo akoti na séminaire akobima afongoli mutu. Image to zali kolata. C'est par amour ya Félix. Je vous dis depuis que le Congo est Congo. Pour la toute première fois, président Sozo Leka, Batoubazo Bimana Bandaku, Baye Kote le Mananzela, pour Sabasimba Moutouka. Yepe président de tout, Moutouka n'est mon côté fumé. Moutouka n'est nyon seza polele. Sozo Leka, Zope Sabatou nyon sombote. Un président plus proche des gens, il écoute beaucoup les gens. Président de la République, pour la toute première fois, Azo Yamba, toute catégorie de personnes. On a un chef coutumier Kende, Ozali Koka Kende, on a Baba Nalobakate Kende, on a Zali Batunyon Sobazo Kende. Ça veut dire quoi? Moutunyon So, Oalingi Koyamba, Kokutana Félix, Azali Koyambaye. Pourquoi Azo Yambaye? Il a compris que ce qui n'a eu qui souci na Bangote, n'a qu'à servir Bangote. Mais n'a eu qu'à souci na Bangote, ça a nin. Plus Azo écouté Batou, plus à Kosaril, mais banda qui wapi. Pour ayo kaye, pour ayo kapebiso, to yo kakaye kuna, akeyi, akoti na loko babengi, Genève. Moi na mboka zuma loba lobi, to koti na vote. Mais moutou toko vote, na koza leader ya opposition. Mais leader ya opposition, il faut à la base. Bacha ki critorium, depuis nani, Afrique du Sud. Bake koko takuna, bakoti bundoki na bango, tribalisme na kati, bakoti kuna, babimisi, un fantôme moko boye, un homme qu'on appelle robot. Bino moko boye. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le président Félix Tshisekedi n'a pas approuvé la copie d'Ilunga Ilunkamba. Donc le prochain rendez-vous est fixé à dimanche. Voilà, c'est actualité.cd qui nous informe. Voilà, ça c'est la photo du Premier ministre devant la presse. Voilà, nous lisons ensemble. Voilà. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présenté ce samedi 24 août la copie de la mouture de son équipe gouvernementale à Félix Tshisekedi. La rencontre s'est déroulée à la cité de l'Union africaine. Félix Tshisekedi a demandé au Premier ministre de revoir sa liste faute de représentativité de toutes les provinces et l'absence de représentants des personnes vivant avec handicap. Donc, Balobi, trois provinces et un Moutouté, donc il faut attendre Makambouana et à l'Obipé, handicapé, il faut pas la peine à Moutou et à Zaliko représenter Bango. Le chef de l'État a été heureux du travail abattu.
Il a demandé qu'on fasse deux réglages. La représentativité de toutes les provinces. Trois provinces ne sont pas représentées dans le document que j'ai présenté. Ça, c'est le Premier ministre qui parle. Le président m'a donné des orientations. Il y a également la question de la représentativité des personnes vivant avec handicap, a dit le Premier ministre. Bon, patience. Patience, nous allons cliquer là-bas pour lire la suite qui n'est pas visible. Voilà, maintenant tout est visible. Nous faisons monter. Voilà. Le gouvernement Ilunga sera composé de 65 membres, dont 45 issus du FCC et 23 du CASH, conformément à l'accord de coalition gouvernementale. 78 ans, Sylvestre Ilunga-Ilunkamba, cadre du PPRD, a été nommé Premier ministre depuis le 20 mai 2019, après environ 4 mois de négociations entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. D'après le nouveau chef de l'État, le temps d'environ 5 mois de discussion entre l'FCC et le CASH se comprend également par le fait que le paysage politique actuel est inédit dans l'histoire du pays. C'est une première expérience en RDC. C'est normal et je demande l'indulgence de la communauté nationale, internationale vis-à-vis de ce qui est apparu comme tergiversation. C'était une façon de se connaître, d'aller ensemble en toute confiance, en partenariat dans ce défi qui sera énorme, avait-il dit lors de son séjour à Luanda, Angola. Donc, à l'obéissance de Mbalaya Liboso et Oumsangwa Kumpala. Donc, les anormal Nasenga Bolimbisia, communauté internationale, non nationale, pour Makamboyo et Komelibiso. Naba hésitation wana ezambala ya liboso bon ezalaki façon moko ya koyebana kokende elongo na kati ya confiance donc en partenariat dans ce défi qui sera énorme alobaki yango na Luanda. Donc, à Kwambani, où nous sommes à Kumpala, 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 nous sommes à Kumpala. Voilà. Entre-temps, la session parlementaire destinée à investir ce nouveau gouvernement a été lancée depuis lundi. Voilà. Donc, le Premier ministre Ilunga-Ilunkamba va revenir encore demain dimanche avec des retouches. Nous espérons que ce seront des dernières retouches. Mais il y en a des compatriotes qui ont dit que il y avait aussi le problème de l'AFDC et alliés de Bahati Lukwebo qui est légal, donc il fait partie de la majorité, il doit être là. Pour la Kabylie, pas question, mais pour la légalité, l'état de droit, c'est normal qu'il soit là. On va voir ce qui va se passer le dimanche. J'espère qu'ils ont tenu compte de ça parce que
Aujourd'hui, apparemment, on n'en parle pas. Donc, il n'y a que la représentativité des trois provinces, celle des handicapés. Voilà. Nous nous arrêtons par là, chers compatriotes. Tonga, Sylvestre, Ilunga, Ilukamba. Mais je suis très heureux de Félix Antoine de Chilombo. Allô, très chers téléspectateurs, vous remarquez sur le petit écran la sortie du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba du bureau du président de la République. À ses côtés, le directeur de cabinet du chef de l'État. Certainement que tout à l'heure, il y aura une importante communication qui sera faite et l'RTNC aura le plaisir. Kuna wenzie Rachel Keta mwenye ataweza kuambia wandugu wa Kasai, upande wa Kasai katika lugha la Chiluba. Tosa kijina yotu wa Skrido Kongo, banonjiba chondo chukulu cha jitunga, akijila ino ya disankani. Mwaba yonso, nibaka nionda chondo chukulu cha jitunga nda Kongo wa Mungalata, mjumu provinsi ya mwono majitunga na shukumatunga menyi. Tujitusawaba unu mkampunya ka kabu mkamatunga mkwa mfike anyi inyo African. Maba udi ministre kavuna mbidu wapu kulenga bwajitunga Sylvestre Ilunga Ilukamba. Ni mufika mwadehu mbukumu ni makutuwe lana ni fumu wajitunga jitu Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Ni kumwana mwakumu peshe nungu liste ani mena andekelu. Allô, très chers téléspectateurs, vous remarquez sur le petit écran la sortie du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba du bureau du président de la République. À ses côtés, le directeur de cabinet du chef de l'État. Certainement que tout à l'heure, il y aura une importante communication qui sera faite et l'RTNC aura le plaisir de vous proposer cette importante communication du Premier ministre. Dans quelques instants, nous allons suivre le Premier ministre, c'est le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, et les porte-parole du président de la République. Messieurs, mesdames de la presse, le Premier ministre vient d'être reçu par le président de la République. Il a conçu à vous adresser quelques mots. Je ne sais pas s'il répondrait également à quelques questions. Je laisse la parole à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup à tout le monde. Je dois vous remercier surtout pour la patience avec laquelle vous êtes resté là pour attendre ce moment. Je ne serai pas long. Je dirai tout simplement que j'ai présenté au président de la République, chef de l'État, la mouture du gouvernement. Le chef de l'État a été heureux du travail qui a été fait, mais il a souhaité qu'il y ait deux réglages. Le premier réglage concerne la représentativité de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. En effet, il y a trois provinces qui ne sont pas représentées dans la mouture que j'ai présentée et le président de la République m'a donné des orientations à ce sujet. Le deuxième réajustement concerne une structure qui s'occuperait des personnes vivant avec handicap. Si vous vous rappelez, ça faisait une partie des critères qui avaient été fixés pour ce gouvernement. Donc là aussi, le président de la République m'a donné des instructions précises pour que ce problème soit également résolu. Donc nous sommes petit à petit, lentement, vers l'accouchement. C'est une question de quelques heures. D'ici lundi, on aura terminé le problème et je reviendrai ici demain pour présenter au président de la République la mouture définitive, ce qui serait conforme à ses orientations. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade.
Est-ce que vous avez une idée sur les provinces qui ne sont pas représentées jusque-là? Ah, je préfère ne pas citer les provinces. Ah, je n'aimerais pas soulever une polémique. C'est un travail qui se fait en gestation et c'est pour ça l'autorité suprême du pays, c'est pour ça qu'on lui soumet et il donne des orientations. Et qu'en est-il de la représentation féminine? Nous allons nous arrêter là, puisque le Premier ministre vient de vous dire qu'il y a des réglages à faire. Laissons-lui faire ces réglages-là, il revient demain. Et donc, ce sera quand le dernier réglage aura été fait que nous pourrons lui poser les questions. Très chers téléspectateurs de l'RTNC, vous venez donc là de suivre en direct l'intervention du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui venait d'être reçu en tête à tête par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont parlé de la dernière mouture du gouvernement, le premier gouvernement donc de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son avènement au pouvoir le 24 janvier 2019. Il se pose quelques problèmes, le Premier ministre vient de le souligner, quelques problèmes, quelques réglages. S'il faut utiliser sa propre expression, il y a quelques réglages. Le premier réglage, c'est la représentativité au niveau des provinces. Il semble que dans sa composition, dans la composition du gouvernement, il y a trois provinces qui ne sont pas représentées. Le président de la République a insisté sur cette représentativité au niveau des provinces. Le deuxième réglage, il faut tenir compte des personnes vivant avec handicap. Et le Premier ministre a pris en compte ces considérations du président de la République. C'est la raison pour laquelle, comme nous l'avions annoncé, contrairement à ce que nous l'avions annoncé, le gouvernement ne sera pas connu aujourd'hui. Le Premier ministre rentre pour tenir. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutika Lamalamu, Benubika Lambote. Wandugu wapenzi tunamaliza, tutaonana kesho mpango ya mulo ya luzoro benu vikana mbote betu tamalana mbasi bana betu basu ibwe shala ibibu nitu munaona chikondo chikwabu kufideo mkwabu ana lingo amboshila.